Palais de Légende, la Gordon Finest Gold. Découvrez-la dans tous les supermarchés en région namuroise. Généreuse, la Gordon Finest Gold offre un verre gratuit à l'achat de 6 bouteilles. Forte et moelleuse, la Gordon Blonde charme vos détentes. Beige, beige, toi et tes moquettes bouclées beige. Tu as mieux à proposer? J'ai envie de couleurs, des rouges, des jaunes, des verts éclatants, et avec des lignes, ou avec des étoiles. Des étoiles? Non, ça ils n'ont pas. On parie? Perdu. Mais de la moquette à relief, ça je suis sûr qu'ils n'ont pas. Encore perdu. Et tu paries qu'ils peuvent livrer et poser dans la quinzaine? Ok chérie, t'es gagnante sur toute la ligne. Carpetland. Carlo Brigante, c'est Al Pacino, gangster mais repenti, qui jure après 5 ans de prison de ne pas y retourner. David Kleinfeld, c'est Sean Penn, son avocat et ami, qui pourrait l'aider. Pour gagner des places pour l'avant-première de Carlito's Way lors de la prochaine Nuit des Étoiles, le 14 mars au Palace à Liège, prenez la peine de téléphoner au 077-346-334. Terry Gilliam sur le tournage de Brazil. Monsieur, bonsoir, bienvenue à la formule renouvelée de l'écran témoin, une formule davantage axée sur la proximité. Alors concrètement, après le film « Jamais sans ma fille », l'écran témoin se déroulera en deux temps. Dans un premier temps, nous prendrons plusieurs témoins successivement en tête-à-tête, et puis dans un deuxième temps, avec ces témoins et des experts susceptibles d'éclairer le débat, eh bien, nous effectuerons l'échange d'idées sur le thème choisi. Le thème choisi ce soir, les couples mixtes ou si vous préférez, les couples interculturels. Témoignage d'abord et puis réflexion sur le témoignage. Voilà pour la nouvelle alchimie de l'écran témoin. Et pour que cette formule soit véritablement une réussite, pour que cette émission vous ressemble, nous avons besoin de vous, nous avons besoin de votre participation, de vos témoignages. Alors si vous souhaitez partager votre vécu dans nos prochaines émissions, il vous suffira de former le 041 447 447 et cela du lundi au vendredi de 10h à 12h. Nous sommes d'ailleurs à la recherche de témoins relatifs à la dépression nerveuse, notre débat dans 3 semaines. Cela dit, revenons à l'émission de ce soir. Le film que nous vous proposons, c'est « Jamais sans ma fille » de Brian Gilbert. « Jamais sans ma fille », faut-il vous le rappeler, c'est évidemment l'histoire de Betty Mahmoudi, présente exceptionnellement ce soir sur ce plateau. Betty Mahmoudi, citoyenne américaine, qui a passé 18 mois en Iran avec sa fille Matob, prisonnière de son mari et de la famille de celui-ci, avant de réussir à s'enfuir avec sa fille et de regagner les États-Unis. Alors, après le film, eh bien, le débat de ce soir aura pour thème les couples mixtes, c'est-à-dire comment vivre ensemble lorsque la nationalité, la culture, le régime politique et même parfois la religion diffèrent. Notre premier témoin, je vous l'ai dit, ce sera Betty Mahmoudi. Ensuite, nous entendrons un couple belgo-zaïrois, celui de monsieur et madame Mukendi, Germain et Nadine Mukendi. Le troisième témoignage sera celui de madame Nguyen, qui est vietnamienne et divorcée de son mari belge. Enfin, nous entendrons Patricia Emmons, qui est belge, qui a vécu l'enlèvement de ses 3 enfants par son mari israélien et qui nous racontera comment, en allant vivre en Israël, son mari est devenu méconnaissable et a transformé leur vie de couple en véritable enfer. Enfin, pour éclairer le débat, eh bien, nous avons fait appel à 2 experts. Ces 2 experts, tout d'abord Catherine Delcroix, qui est sociologue et maître
de conférences à l'Université de Toulouse. Elle est co-auteure avec Anne Guyot du livre Double Mixte, un livre consacré à une trentaine d'expériences de couple mixte. Et puis Chris Polis, dont le père est belge et dont la mère est zaïroise et qui est anthropologue assistante à l'Université de Liège. Voilà donc pour nos témoins et pour les experts. Je vous souhaite une excellente soirée, un excellent film et je vous retrouve tout de suite après. Posséder sa maison, c'est le rêve de chacun. Mais si un jour la tempête se levait sur les taux d'intérêt, qui pourrait être certain d'arriver à maintenir son budget en équilibre? De fortes hausses de taux pourraient déstabiliser votre foyer, dangereusement, et mettre votre santé financière en péril, définitivement. Mais à la BBL, il existe un crédit hypothécaire qui empêche les taux de s'envoler. Mieux encore, lorsque ceux-ci baissent, vous en profitez. Est-ce pour cela que la BBL est la préférée des banques? Entrez dans l'univers du cinéma avec la BBL.